connaissez vos droits. La police. Vous avez des droits. La police. La police a pas de droits. La police. Hey, je suis content qu'on l'ait répété ça 3-4 semaines de fil au local. Je me rappelais même pas, moi, que c'était ça. Mais alors donc, pour se rappeler ce qu'on fait, c'est qu'on lit en fait ce petit pamphlet. Surprise, on a des droits. Bâtir un rapport de force avec la police. Collectif opposé à la brutalité policière qui nous présente ça. On a fait la semaine passée le tour des fouilles. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on se rappelle de ça? En plus, c'est bon. Là, t'es dans un moment où tu pourrais te faire arrêter. T'es un petit peu pacté, t'as quatrième lien. T'as pas fumé toute la journée. Fait que t'es comme... Ça se peut que tu fasses sur quelqu'un pour rien. T'as peut-être les clés de la vanne dans tes poches. T'as peut-être les clés de la vanne. Ils ont pas le droit de me fouiller, sauf s'ils ont un motif de croire raisonnable. Comme une forme de gun dans tes shorts. Que, genre que quoi? De la drogue et des armes. Exactement. Ça, c'est intéressant. Et puis sinon, ils peuvent un peu tout faire. Puis là, il faut se plaindre. Il dirait, hey, t'as pas le droit, tant que je suis pas en état d'arrestation, mais. Mais en même temps, si on l'avait pas vu, là, ça c'était un autre. C'est que si jamais on se fait questionner par un policier, on le pousse sur le mur. Je pense que c'est ça là, qu'on voit là-dessus. Ouais. C'est comme tout de suite. Non! 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 Ouais. C'est ça. Et on s'en va là, pendant qu'il est comme wow! J'avoue que les dessins, c'est intéressant. Fait que donc on a, ouais, c'est intéressant, on n'a pas le droit effectivement de se faire fouiller si on n'est pas en état d'arrestation, sauf effectivement s'ils disent avoir des motifs raisonnables de penser trouver une arme ou de la drogue. Si c'est pas le cas, ça on parle d'une fouille de base là. Ils ont juste le droit de te palper, là, pas de te fouiller partout là, puis checker toutes tes affaires. Une fois qu'ils ont checké ça, s'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils pensaient trouver, ils n'ont plus le droit de te fouiller. Puis tu devrais, comme d'habitude, prendre le nom et le matricule des agents et s'il y a des témoins, être en contact avec eux aussi. Mais jamais leur numéro de téléphone, c'est pas du monde à dater. Non, c'est ça, là. C'est ça. Puis si on pense avoir été fouillé d'une manière abusive, il faut se rappeler qu'on peut porter plainte puis que souvent, juste de le faire, ça va peut-être enlever aussi les accusations contre vous. Fait que toujours prendre ça en note. Cette semaine, on s'en va dans les interrogatoires, parce que c'est ça qui arrive après qu'on se fasse arrêter. Oui, ça, c'est une étape de plus. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut garder le silence, ne rien dire à la police et ou demander à parler à son avocat. Fait qu'un des deux, tu demandes à parler à ton avocat ou tu dis rien. T'as pas besoin de rien dire d'autre. Dans le fond, tu parles juste à l'avocat. Sinon, oui. Tu dis rien. Tu dis rien. Et ne pas laisser paraître ses sentiments. Parce que tout va être utilisé contre toi. Fait que juste. Ouais, mettons, dis ça se peut. Si, toi. Ça se peut que tu l'aimes, ta mère, mais parle-en pas. Là. Parle-en pas, c'est pas le temps. Ce qui se passe avec ton chum de blonde, c'est pas de leurs affaires. On est en état d'arrestation et la police aura pour seul et unique but de soutirer des informations. Fait que c'est ça, personne n'essaye de t'aider là, au poste de police. Là. Fait que si t'as besoin d'aide, attends que quelqu'un d'autre t'appelle. On est mieux de rien dire, ne pas se laisser intimider, faire comme si on n'entend pas. Le police a des méthodes d'interrogatoire et elle tentera de les appliquer. Voici donc ces... Fait qu'ils peuvent faire comme « Ah, t'as parlé! » Puis tout ça, là, faut comme... Ben, un peu. Je pense pas qu'ils font ça exactement. Quoi qu'ils font peut-être ça exactement? Ah, t'as parlé! Gros cave! Ah ouais. C'est pas vrai! Non, mais ils essayent, ils te piquent, là. Hein? Ben, gars, on va regarder c'est quoi les méthodes. Il y en a. Alors... Ben, ils s'ennuient à longueur de journée, là. Faut qu'ils trouvent des petites games. Ouais, faut qu'ils trouvent du monde pauvre écœuré, là. Fait que... La technique, on connaît toutes, le bon flic, mauvais flic, c'est la première. Oui, il y a bon film là-dessus. Hein, bon. Oui, il y en a même ben deux, oui. Je pense. Ça explique toute la méthode. Là. C'est tellement bon. Ouais. Il y a moitié du film que t'aimes, l'autre que t'haïs. Ah, c'est exactement. Vraiment, c'est tough. Là. Fait que donc, le bon flic joue évidemment un rôle poli, compréhensif. Le mauvais est agressif et menaçant. Le but est que le bon flic gagne la confiance de toi. Fait que ça, faut juste faire attention de ne pas se faire, je pense, ramener dans ses sentiments. Justement. C'est hâte qu'on nous rappelle ça comme des trucs de base quand... Comme on sait tous ces trucs-là de la police, c'est rendu des clichés ambulants. Est-ce qu'ils vont, ils vont t'avoir avec la fausse empathie? T'es-tu correct? Il s'est passé quelque chose. Mais je pense qu'une fois que t'es dedans, tu peux pas le voir. Mais non, tu peux pas, c'est clair. Mais c'est pour ça que juste se rappeler que c'est ça, là, c'est pas tes amis, t'as rien à leur dire, sauf je vais parler à mon avocat. Deuxième technique, les promesses. Les flics vont vous promettre de laisser tomber des accusations si on coopère. Ces promesses ne sont que des mensonges et chantages. Rien ne les oblige à tenir parole. Fait que ce qu'ils te disent, c'est pas nécessairement vrai. Fait que juste, même si ça a l'air vraiment alléchant, puis t'entends balancer tous tes amis dans un moment de panique, quand finalement t'auras pas moins d'accusations contre toi après, c'est pas très nice non plus. Donc, pensez à ça. Mais écoute donc, qu'est-ce que t'as fait avec tes amis? Je peux pas en parler, Mathieu. OK. Bonne réponse! Merci! Yeah! Yeah! Right. Test éclair réussi!
Identification d'objets et de personnes sur des photos. La police peut nous demander d'identifier des objets nous appartenant ou pas. Elle peut aussi nous demander d'identifier des personnes que l'on connaît ou pas sur des photos. Il est prudent de répondre simplement qu'on n'a rien à déclarer. Fait que ça continue, peu importe ce qu'on te demande d'autre, que veux-tu parler à ton avocat, t'as juste jamais rien à dire. Dans ce sens-là, c'est assez simple. Ouais. T'sais. Mais je comprends que c'est parce que tu te fais comme bombarder, t'es dans un moment aussi de stress puis de panique, mais je pense que si tu le sais, ça, c'est facile, dans le fond, la consigne, c'est toujours simple. La même. C'est même, si, mettons, le policier te regarde avec compassion puis il te demande « Magic ». Ouais. Genre, non, un baguette magic. J'ai rien à redéclarer. C'est ça. Exact. Faut que tu t'imagines, c'est le T-1000 en dessous de puis ça. Puis en plus, parle en anglais, me no magic. Me no magic. Avocat le magicien, merci. Magic. Yes, thank you. Séance d'identification et faux témoin. Lors d'une séance d'identification, une témoin peut prétendre reconnaître une personne. La police utilise ce faux témoignage pour soutirer des informations au à la suspecte. Ne pas tomber dans le panneau et si on n'a pas encore parlé à son avocat, on doit insister sur le droit d'en rencontrer un ou une de notre choix. Fait qu'encore une fois, même si on essaie de t'amener, c'est parce qu'ils vont... Je pense que c'est ça aussi l'idée, là. C'est qu'à partir du moment où toi, tu craques pas, mettons, personnellement, on va t'amener sur d'autres pistes, on va te demander si tu reconnais du monde, si ça, c'est tes objets, puis toi, t'as l'impression qu'on t'a lâché un peu, qu'on te demande d'identifier d'autres choses, d'autres personnes, mais c'est que dans le fond, on continue d'enquêter sur toi, puis dépendamment de tes réponses, puis même, c'est ça, des gens qui mentent ou n'importe quoi, tu peux te retrouver dans la merde. Fait qu'encore une fois, t'as rien à dire. Magic, connais pas. Mensonge! La police fait parfois croire que des amis ont parlé, qu'ils ou elles ont dit des choses sur une personne détenue. Il est préférable de ne rien confirmer, de ne pas se compromettre. La plupart du temps, ce sont des mensonges pour faire parler. Ça m'est arrivé quand j'avais 16 ans. C'est vrai, ça? Ah oui, ils ont fait ça, là. Ah non. Ton ami, il a tout dit. Puis, il avait rien dit. Ben, c'est parce que c'était le genre à tout dire aussi. Fait que, tu sais, tout était comme... mais... Genre, ça, c'était pris, il a tout dit, là. Tu sais, tu vois, fait que c'était un mensonge. C'était un mensonge, c'était ça. Imagine-toi mentir à un enfant. C'est ça, ton travail. Pas fort. Yeah. Intimidation. Les policiers et policières peuvent utiliser toutes sortes de menaces pour faire peur, pour faire craquer. Ils, elles, mentent ou abusent de leur pouvoir et s'exposent ainsi à des poursuites aux civils ou aux criminels immensément difficiles pour la personne portant plainte. Il est mieux de garder son calme, on ne restera pas longtemps en prison et on a des amis à l'extérieur. Mais je veux juste revenir sur quelque chose que tu viens juste de dire. Oui. Les Pères Noël de centre d'achat, c'est ça leur job. De mentir à des enfants? Oui. J'ai toujours dit que je les haïssais. Hey, gars, même je vais aller plus loin que ça, c'est la job des parents. Plein de fois. Mais en fait, c'est plus la c'est les parents qui l'engagent. Ben oui, dans mais un sens, ils l'engagent. S'il n'y avait pas de raison d'être là, c'est ça, là. Tout est de la faute des parents. Ben oui. Et du Père Noël. Les parents sont le plus grand défaut des enfants. Ça, c'est vrai. Sinon, ils sont cool.